Ce film, ce peintre Matisse, était un petit homme, au physique ingrat, affligé d'un incontrôlable bégaiement. Me plaît énormément. Il parlait bien français. Énormément. Ce qui était heureux. Énormément. Car je ne parlais pas le plus. Ce peintre Matisse me plaît énormément. Je suis venu souvent à Paris en voyage d'affaires pour mon entreprise de textile. J'ai commencé à acheter des tableaux français. Mais les Kyokutopi. Il n'y a pas un seul tableau russe dans ma collection. Votre redemption est de les Kyokutopi. Shukin was a Muscovite, an uncultured parvenu, and his obsession with modern French art was proof of his bad taste. Je n'ai pas écouté les critiques. J'ai refusé de me laisser intimider et j'ai acheté mon premier monnaie en 1898. Je restais souvent des heures devant une nouvelle peinture française pour essayer de comprendre son esprit et sa vérité. Mon intuition se trompait rarement. C'est le marchand d'art parisien, Ambroise Vollard, qui m'a fait connaître Matisse. J'ai été absolument bouleversé par son maître. Bouleversé par son maître. En 1908, lors d'une visite à l'atelier de Matisse à Paris, j'ai acheté son harmonie en bleu. C'était la couleur qui convenait pour l'endroit où je voulais l'approcher. Avant que la toile ne parte pour Moscou, je l'ai exposée. Et j'ai décidé alors qu'il fallait changer la couleur. J'ai remplacé le bleu, par du rouge. Shukin n'a ému aucune protestation. Cet homme était pour moi le mécène, idéal. Si un tableau provoque un choc psychologique chez vous, achetez-le. Ce tableau, ce peintre Matisse, me plaît énormément. En plus des Monet, Picasso, Cézanne, Renoir et Gauguin, j'ai acquis très vite un grand nombre de Matisse. J'étais convaincu que le renouveau artistique venait de l'Ouest. Il n'y a pas un seul tableau russe dans ma collection. Pas un seul tableau russe dans ma... Il n'y a pas un seul tableau russe dans ma collection. Collection. En 1908, j'ai accueilli l'intelligence artistique russe chez moi tous les dimanches. Товарищ, прошлое бежит прочь, подобно теням, изгоняемым ярким светом. Мы должны быть готовы встретить утопические прозрения. Художник должен раскрыть красоту промышленности и привлечь публику к этой красоте. Художественное высказывание – это не просто праздное занятие. Наблюдайте за ней. Мы должны экспериментировать и раздвигать границы восприятия. Используйте новые материалы. Россия так велика, что никто и не думает о загранице. Это где-то очень далеко. И как будто не совсем правда. Мы возведем башню, рядом с которой сама Эйфелева башня в Париже окажется жалким карликом. Хватит с нас мольбертной станковой живописи в башнях и слоновой кости. Наше творчество должно служить всему народу. J'avais vu à Londres une aquarelle de William Blake qui m'a donné l'idée de ces figures d'ensemble. Two figures, painted in a strong orange red, set against a very simplified green landscape and a deep blue sky. It reflects Matisse's fascination with primitive art and uses a classic palette. The intense warm colors against the cool blue-green background and the rhythmical succession of dancing moves conveys the feeling of emotional liberation. J'ai cru un moment que j'étais allé trop loin.
remplacer ce chef d'œuvre de Matisse par un autre tableau, plus conventionnel, moins non-conformiste, moins choquant. Ce que je rêve, c'est un rare équilibre. Pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit un lénifiant, un calme cérébral. Quelque chose d'analogue à un beau fauteuil qui guérisse des as de ses fatigues physiques. Il y aura des cris. Il y aura des rires. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai honte de ma faiblesse et de mon manque de courage. J'ai cédé. Je suis revenu à ma première intuition. Comme pour consolider mon ambition, j'ai fait suivre la commande du grand tableau de la danse par une autre. Cette nouvelle peinture devrait s'intituler simplement la musique. J'étais effrayé de ma propre audace. Matisse a regardé longtemps le tableau, mais il n'a fait aucun commentaire. Beaucoup de jeunes artistes à Moscou ont mis à profit dans leur œuvre ce qu'ils ont vu chez moi. It is certainly believed that the time the Russian avant-garde artist spent in front of Schubert's collection profoundly affected the course of Russian 20th century art. Shukin's acquisitions of the most daring works of the early 20th century put him ahead not only of his Moscow contacts, but indeed of collectors across Europe. He had 37 paintings by Matisse alone, among them many works now considered to be milestones in the history of art. Mon cher Matisse, je suis convaincu que votre voix est la bonne. Le temps sera mon allié. Au bout du compte, c'est vous qui serez victorieux. Et moi aussi. Il y aura des cris. Il y aura des rires.